Retournez à votre champ de bataille principal. Je crois qu'on est bon, hein. Ouais, direction Guangzhou. Let's go. Let's go. Je voulais régler aussi un truc avec la cam. Est-ce que je pourrais faire en sorte que... Attends, je check un truc. 2 secondes. Mais non, ça peut pas être plus... 3 trucs appris. GG All Stars. T'as appris quoi de beau, là? Qu'est-ce que je... Qu'est-ce que t'as encore découvert? Qu'on pouvait affronter les mecs ou qu'il y avait des trucs à faire dans le hameau? C'est quoi que t'as appris, là? Allez, à l'exec. L'exec dans les airs. Comme ça aussi. Ça, pour le coup, je viens l'apprendre aussi. GG All Stars. Est-ce que tu penses, résultat quand tu viens de le finir, est-ce que tu penses que je peux le finir aujourd'hui? Je me demande si je peux réussir à le finir aujourd'hui, ce qui serait stylé. Comme ça demain on peut faire un peu de New Game Plus. Exact dans les airs. Oh, c'est tellement classe! Bonne soirée, Chunky. Le pizzaiolo. À Avignon. Qui ne veut pas quitter Avignon. Et qui a envie de nouvelles choses. J'ai pas oublié. C'est bien de tester de nouvelles choses. One shot! D'accord! Ah, bah ouais, en même temps, oui, normal! Je suis en stuff bois, le feu doit écraser le bois, je suppose. Résultat, une erreur et paf quoi. Et pif paf pouf. Il m'a one shot ce salaud. Ah non, je suis résistant au bois. Oui, bah si, donc je suis en stuff bois. Mais, c'est ça, mais. J'ai pété. J'ai pas le temps là! Utiliser quel animal totem d'ailleurs, je suis curieux. Parce que je trouve celui de Will quand même complètement pété. Hein. T'es globalement immortel pendant les 15 secondes qui durent. Je le trouve tellement fort comme animal totem à côté des autres. Alors c'est vrai que les autres burst plus côté DPS quoi, mais bon. Le serpent. Ah, pour le poison.
Pour les empoisonner en 2-2, c'est ça? Celui de terre, il faisait quoi déjà? Je sais même plus. Chez le mage. Okay. Ah tiens, j'aurais cru que plus de gens auraient utilisé celui de heal, tellement je le trouvais pété. C'est cool qu'il y ait la diversité. C'est cool, c'est cool. C'est cool, cool, cool. Ok, ça c'est le boss, on va aller le voir après. Je l'ai pas aggro logiquement. J'ai un peu peur maintenant en vrai. Ah putain. Allez. Voilà. Sérieusement? Salopard. Le rat est mort ce soir. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre à détruire avant le boss? Je vois qu'on a un drapeau à gauche que je peux pas du tout atteindre. Je suis grande tristesse. Pour une fois que je vois un drapeau secondaire, je peux même pas y aller. BDM. Passant par ici peut-être. Oui, c'est bon. Ah merde, non. Ah, elle fait ma surprise. Il m'a surpris, Jean-Jacques. Attendez, comment je détruis dans ce cas-là? Y a pas une balise là pour que je... Putain. On n'a pas de temps. On n'a pas le temps, les gars. Ok, impec. Ok, j'ai dû détruire des... J'ai dû ouvrir le raccourci, je pense, avec ça. Déjà, là, on a accès au drapeau. Ah, et mon rang de bravoure est niveau 1. Mon niveau de morale est 12. Cherchez l'erreur. Chercher l'erreur. Je vois le Leishi là-bas. J'ai vu un coffre à droite. Ah, peut-être aller se faire le gros con là, devant.
Ça peut ressembler quand même à un niveau de mission finale. Mais bon, ça peut pas être la mission finale, étant que la mission finale, ça sera en tuant Yaoji ou Yiji, là, je sais pas quoi. Bon, viens là, toi. Niveau 5, c'est tout, bah. Et merde. Ok. Et bon, moi, il y a un gros drapeau derrière. Bravoure. 4. Nul. Nul, nul, nul. Niveau 94, oui. Bientôt le niveau 100. Je sais pas si ça sert à quoi que ce soit. Mais au moins, c'est stylé. Toujours si, attends, il va se rentrer. Ah, shit. Voilà, 560 dans la gueule du mage. Ça aussi, ça fait plaisir. Ah, mais il y a d'autres... Pas à quoi ça sert de tirer en vrai. Pas l'impression que c'était giga utile de tirer avec ces merdes. Il y a un petit bout là. Oh, pauvre bête. Dire que les tigrouilles, je les trouvais terribles au début. C'était il y a fort fort longtemps. Ah, tiens, drapeau. Ça, c'est là où je commence. Bon, on est pas mal. Je pense qu'on peut enchaîner. Un petit mage pour le plaisir. Pour le plaisir de leur éclater la gueule. Ok. C'est donc par la gauche. Ils font mal quand même, hein. Ils font très mal. Ok, c'est parti. On passe à la suite. Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau par là? Droite, gauche, que dalle. Un trou. Dans lequel je vais sûrement tomber parce que je tombe toujours dans tous les trous. Oh là! Ok, ça c'est la grande porte. Du connard, des loots. Ah,
Ah, ils ont vraiment mis tous les élites hein, du jeu dans la... dans cette mission, hein. T'as les macaques, le tigre. C'est peut-être un des défauts d'ailleurs du jeu. Léger manque de bestiaire. On a vite fait le tour, quoi, du bestiaire. On a vite fait le tour, et c'est vrai que comme une fois qu'on les connaît, bah on maîtrise les patterns. Ça devient un carnage, quoi. Là où le tigre était terrifiant quand j'en tombais dessus, je me rappelle au début du jeu. Aujourd'hui, je sais que logiquement, il me posera plus de problème. Et là, pourquoi j'ai pas de renfort, moi, là? Je veux les copains, là. J'aime bien voir les copains. On a un drapeau à gauche. Oh. Ok. J'y vais par là à gauche. Ah, faut que je me laisse tomber. Oh. Petit drapeau de repère. Complètement. Complètement, complètement. Et je préfère un faible bestiaire Kali pour le coup que un gros bestiaire qui n'invente pas grand chose quoi. Mais ouais, je dirais 30-35 millions moi côté budget. Enfin bon, en vrai, pour fourchette large entre 20 et 35. Et en laissant les plus précis, plutôt vers les 30 je pense. 25-30. Ce qui fait que c'est pas un double A quand même, on est sur un petit triple A. J'ai entendu un gros truc gueuler. Ah! D'accord. Bonjour! Aïe! Hop, pinaise. Oh, le lock m'a... Allez. Bah c'est ça, l'essence même du gameplay est là et globalement c'est un peu tout qui compte quoi. Partiront, t'as un bon gameplay, toutes les animations et tout sont suffisamment fluides pour qu'on puisse utiliser un peu la Sekiro, que demander de plus quoi. C'est une très très belle évolution à Nioh, ça n'a pas de doute. Ah, c'est Cigale Dorée. Bon alors vous là, faites dodo. Ah! Ah! Ok. Next. Next. C'est fini. C'est fini. Je pense que là, on ouvre la grande porte, c'est le raccourci. Yes. Les câbles, ça. J'aurais peut-être dû me reposer au cristal. On verra si je regrette ou pas. Non, retour en arrière. Pas bon, pas bon, pas bon, pas bon. C'est pas par là. Non. Ok, c'est par là. Sorry. Nouvelle chance à me reposer, toujours pas. La flemme.
La flemme. Ah, ils m'avaient pas manqué eux, tiens. Ah, on peut parer leur, les rondins. Tu sais, on peut en même temps, on peut tout parer donc. L'arme de Guan Yu est vraiment exceptionnelle. Hein. Côté mobilité, c'est un peu le rêve. Aïe. J'ai pas raté, hein. Attendez. Ah non, c'est juste la lumière. Oh là. On va aller au drapeau. On va aller au... On va aller au drapeau. Bah alors... Non, mais écoute, il y a un drapeau juste là, j'ai plein d'âmes. Bon, bah voilà, tu vois, tu comprends. Bon, voilà. C'est ça aussi. Hein. Ouais, mon intuition me dit, il y a plein de gens morts et tout, tu vois, ça pue un peu. Donc voilà. En plus, il était temps que j'utilise ça. Allez, niveau 100 là. 98 Ok. Ah, il rip up, rien à foutre. Bon, alors. Non mais une grande arène toute vide. En plus, ça va être un truc bien gros, bien vénère. C'est parti. Alors, qu'est-ce qui pop? C'est quoi? Oh, oh, ouais, allez, one shot lui, hein. J'étais nul contre lui avant, bah. Y'a des choses qui vont pas changer, hein. Ce qui a changé, heureusement, c'est mon DPS. Voilà. Ah putain, je suis mort à mon âme. Ça va. En vrai, tranquille. Et mon stuff a bien aidé. Ah bah, ça reste un RPG, hein. Bizarrement. Tout à fait, Creep. Pourquoi cette question? Si, si, jusqu'en 2020. Je fais partie des streamers à qui j'ai coupé contact parce que je suis pas... J'étais pas friand de, on va dire, de la ligne éditoriale de leur chaîne. Comme tous les autres streamers, j'ai coupé... Te rappelles pas ta... Pourtant la vidéo est présente. J'ai fait une vidéo en début 2020. J'ai coupé contact avec 100% des streamers et streameuses avec qui j'étais pote. Oh, c'est pas leur contenu. Elle a signé chez Obedia et elle a commencé à faire les OPSP et Shadow Legend. Voilà. Voilà. Donc, bizarrement, pour moi, bah... Webedia est déjà compliqué et Red Shadow Legend, ça achève un peu le truc, quoi. C'est tout, personne n'était très gentil.
dehors de ça. Chouette personne, mais bon. Aujourd'hui, enfin voilà, je rappelle, Webedia, c'est les gens comme Zoltan, quoi, tu vois. Donc bon. En fait, aujourd'hui, tous les gens qui ont signé chez Webedia, c'est les gens qui veulent soit de la fame, soit du pognon. Alors attention, hein, la fame, bon, ça me fait gerber. Le pognon, je comprends. Mais il y a d'autres manières d'en avoir, en fait, qu'en vendant son âme chez Webedia. Le truc, c'est que j'ai eu des insides, moi, chez Webedia. J'avais une connaissance, pas KO, donc une autre personne hein, qui bossait là-bas, qui a bossé notamment sur le live. Et c'est une catastrophe, hein, cette boîte. Hein. Ils traitent leurs employés comme de la merde. Hein. Mais à un point rare. Les semaines à 65 heures, heures sup non payées, t'es payé d'ailleurs une misère en CDD parce qu'ils veulent personne en CDI, il y a quasiment d'ailleurs personne en CDI là-bas, enfin c'est... Il n'y a rien qui va dans la boîte, hein. Merde. Et puis accessoirement, le contenu abrutissant, la touche pas à mon poste, c'est pas mon délire. Je suis complètement perdu. Je sais pas si ça se voit, hein, mais je suis totalement perdu par contre avec ces conneries. Donc voilà. Ah.